Tout d'abord, on va vous accueillir dans notre univers, ouvrir les portes de notre maison. Donc ça fait 13 ans qu'on est dans les locaux ici à la basse-cour. On propose pas mal d'activités, que ça soit sportif, musical, ludique et ce genre de choses. On est axé sur la rencontre aussi. Et ce projet ici spécifique, c'est un projet de concert à l'intérieur même de la Maison des Jeunes. Et donc l'idée, c'est de transformer complètement les locaux avec les jeunes et de faire des décors sur mesure à chaque fois pour chaque concert. Et donc voilà, comme vous allez pouvoir le voir, on a commencé les décors. Your man reaction for maturation, the sunset, final perception, equal direction, the satisfaction, the logic. Welcome to the freaky house. Take a seat and let's ride for another night. Welcome to the freaky monster. And if you are minder of the friendship stronger. On est sur un projet de fond, donc ici on est en train de faire un paysage de fond avec une montagne, un petit lac avec une petite plage, etc. Parce que le groupe nous avait demandé un peu une île galactique, une île paradisiaque, donc on a décidé de partir sur un projet de fond de base d'une île, donc voilà. Il y a le mur et une fenêtre ici derrière, donc on avait décidé de mettre les plaques comme on avait fait déjà d'autres concerts, donc on met des plaques pour pouvoir justement avoir plus facile pour dessiner, et puis après les plaques, on peut les réutiliser pour les prochains concerts, donc voilà. Donc ici, le bois qui est ici sur le billard, c'est pour justement les décors qui est des canards en fait, pour mettre dans la fresque. On va faire des canards en 3D, donc une évolution, une rencontre avec un canard et un cosmonaute martien qui vont avoir un enfant, un bébé canard. Et alors il va y avoir un fil rouge sur le mur, justement l'évolution du canard qui va à l'école, qui est bébé, etc. et qui devient grand pour terminer au canard 3D qu'on a fait ici en construction tout en bois. Et alors les plaques ici, ça servira à faire une cabane à l'entrée de l'AMJ pour le concert, justement parce qu'ils avaient décidé de faire un projet cabane dans l'île, ça va un peu dans le décor aussi. Donc l'entrée sera toute une cabane, donc les planches de bois serviront à justement servir pour la cabane. Ouais, tout FMA, donc c'est avec le troisième éducateur, donc Maxime, qui n'est pas là aujourd'hui mais qui sera présent dans les prochains jours. Bah, c'est lui qui est un peu plus manuel dans l'AMJ, donc il nous a un peu instruit tout ce qui était bricolage, etc. Donc il y a quelques mois, on a décidé de refaire vraiment un atelier bricolage pour que les jeunes apprennent justement des ateliers soudure, des ateliers bois, des ateliers découpe de bois justement, etc. Donc comme ici dans l'AMJ, les tables, les bois sont faits ici avec les jeunes maison, donc il nous a vraiment instruits et donc on a fait un petit atelier avec tout ce qu'il nous faut comme matériel pour les découpes, et etc. Donc voilà, on apprend beaucoup. Jour 1 à mon numéro 1.
Je veux ajourner mes rôdeux, une suite à l'hôtel, supplément mortel. Je t'ai regardé toute la nuit, danser sur mon âme n'est plus permis. 9 jours, la vie c'est du velours, et l'éternité, une nécessité. Je suis en train de câbler la table de mixage, si j'ai bien compris. Que le son des micros, des guitares, tout ça, et jusqu'ici la table de mixage. Puis le son de la table de mixage sera renvoyé sur les enceintes qui iront sur les pieds. Et donc, c'est pas la première fois que tu. Tu viens à monter, donner un coup de main, non? T'as l'habitude? Oui, à chaque fois je fais monter. Donc. Commence à avoir l'habitude. Pour eux, c'est un peu de voir comment se passe le travail d'ingénieur du son, comprendre tous les aspects techniques d'une scène et essayer de, au fur et à mesure, d'apprendre des gestes et des câblages simples, en fait. Il y a des gens qui racontent We must stay alone pour être enfin le monde et suivre la mode. Pour les gens à faire les cons, le son au bout du compte dans le papa alone. Y'a des gens qui racontent We must stay alone pour être enfin le monde et suivre la mode. Quand les gens à faire les cons, le son au bout du compte. Même si papa alone fait des comparaisons, même si personne ne voit sa déraison, je pense qu'il est bon de se fier à ce qu'on raconte. Mais bon, dans le fond, passons patiemment papa alone, a peur de lui-même parce que c'est un homme qui suivra s'il précède parfois Indison. Faut pas refaire le monde comme le monde est comme. Je dis papa d'accord, moi j'aime pas le décor, il est trop filiforme. Que des tons monotones, celui tu sais m'endorme. Moi j'aime pas le décor, du coup je fais des efforts. Mais papa tombe dans la pensée obscure de la force. Mon papa sombre, mon papa alone. Mon papa seul, mon papa con. Tiens de tout ce qui se passe dans le monde. Papa s'estompe, mon papa alone. Oh, Peter Pounding, oh yo. Papa regarde toujours la chose à moitié, parle de m'apprendre la vie, de l'interpréter. Papa obsédé, papa dégoûté de me voir, ne pas l'écouter, veut juste me guider. C'est sûr que j'ai du mal. Le mot de la fin, c'est fun, c'est extra, c'est freaky, c'est le style quoi. C'est vraiment un concert super qu'on a vécu, vous l'avez vu comme nous. Et franchement, c'est extraordinaire, les décors ont servi, ils ont mis une ambiance de feu pour la première fois ici. Et à mon avis, ils reviendront bien vite à la récap et ce sera bien. Même les Teen Lovers à la fin, on fait un concert de fou. Donc, c'est une belle soirée, c'est superbe. Je parle d'ici de toutes les maisons qui emplissent mon quartier, plein de gens bien. Oh yo, plein d'enfants, plein d'une jeunesse qui ne veut pas finir gâchée, enlisée dans une menace à la postérité. Le monde est lié à nos cœurs, à nos mains, à nos pieds. Ne marche pas sur mes rêves, mon papa tombe dans la pensée obscure de la force. Mon papa sombre, mon papa alone. Mon papa conscient de tout ce qui se passe dans le monde. Papa Zeston, mon papa alone. Oh Peter Browning, oh Peter Browning. Oh Peter Browning. Give it a sign. Oh Peter Browning.